Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sébastien Barigrand, le directeur général de l'UDES. Bienvenue dans ce webinaire sur l'accord de l'UDES sur l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi. Je vous remercie de votre participation. Je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre cet après-midi pour ce temps d'échange que nous avons voulu donc en relais de la signature de l'accord multiprofessionnel qui a eu lieu donc le 2 décembre 2021 lors des 20 ans de notre groupe de dialogue social au Conseil économique, social et environnemental. Alors, ce webinaire sera animé par Serge Guyot, responsable des relations sociales à l'UDES, à qui je donnerai la parole dans un instant, et qui vous présentera le programme de ce temps d'échange et qui animera donc ce webinaire et qui pourra vous donner également toutes les informations vous permettant d'interagir à l'occasion de ce temps d'échange. Et auparavant, je souhaitais revenir brièvement sur le contexte qui a présidé à ce webinaire. D'abord pour dire que le numérique, comme chacun le sait, est de plus en plus présent dans les vies de chacun d'entre nous. Les transformations induites par la transformation numérique changent profondément les façons d'interagir dans la vie personnelle, bien sûr, mais surtout dans la vie professionnelle. C'est ce qui nous intéresse nous, ici, à travers le développement des logiciels, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des sites internet, extranet, du télétravail. D'un point de vue de la vie professionnelle, ces transformations changent la façon de travailler, le cadre de travail, le rapport au travail, mais aussi la communication au travail, les compétences nécessaires pour occuper un emploi. Donc, on voit que ce sont des éléments forts qui invitent à se poser la question plus largement de l'attractivité des emplois. Ce sont donc des nouvelles pratiques d'emploi et managériales qu'il faut inventer. Cette question du numérique s'est fait jour pour l'UDES à l'occasion de réflexions qui ont été menées depuis 2017 déjà, puisque à l'occasion de son congrès en décembre 2017 au Palais de la Mutualité, l'UDES avait déjà posé quelques éléments centraux sur ces questions, notamment en lien avec les travaux de France Stratégie ou ceux du Conseil national du numérique. Nous avions d'ores et déjà, en 2017, identifié quelques enjeux, le défi du sens, de la protection, mais aussi de l'innovation, notamment pour accompagner les petites et moyennes associations et entreprises sur le renforcement de leurs compétences managériales et sur les questions de formation, et bien entendu également pour développer de nouveaux modes de management, puisque le numérique invite à se poser la question de travail ou du travail en mode horizontal, participatif, collaboratif, et par conséquent, en travaillant sur les évolutions de l'organisation du travail, en associant l'ensemble des parties prenantes et en tout premier lieu, bien entendu, les salariés. Alors, de 2017 à 2019, à la demande de l'UDES et en lien avec le groupe de dialogue social de l'économie sociale et solidaire, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, a réalisé pour l'UDES une étude visant à mettre en évidence les impacts des transformations numériques dans les entreprises de l'ESS, ainsi que les enjeux liés à cette transformation numérique. Cette étude de l'ANACT, sur la base de monographies sectorielles des différentes activités de l'ESS, nous a permis de mesurer les conséquences et d'avoir une vision globale des transformations numériques. À partir de cette étude d'impact, mais aussi des recommandations qu'elle précisait, les partenaires sociaux de l'économie sociale et solidaire et l'UDES ont acté par une déclaration commune le 14 janvier 2020 l'ouverture d'une négociation d'un accord multiprofessionnel relatif à l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Ces négociations ont été quelque peu perturbées par la crise sanitaire, se sont déroulées dans le cadre du groupe de dialogue social et se sont achevées le 6 octobre 2021. En parallèle, et c'est un point important à souligner, l'UDES a participé à la négociation de l'accord européen sur l'impact de la digitalisation sur l'emploi, dans le cadre de la négociation de la délégation employeur, notamment menée par SJI Europe, dont l'UDES est membre. Cet accord a été signé le 22 juin 2020 et le contenu de cet accord a permis également d'inspirer les négociateurs français de l'économie sociale et solidaire. Alors, la crise sanitaire a eu un impact sur le contenu des négociations, non seulement sur le calendrier des négociations, mais aussi, au fond, sur quelques éléments centraux qui ont pu se faire jour à l'occasion de la crise sanitaire et qui ont permis d'alimenter les négociations.
On pense bien évidemment à l'utilisation intensive des outils numériques dans la période, mais aussi le développement fort du travail à distance et du télétravail, de nombreux salariés qui ont permis effectivement de renforcer ces logiques et d'intégrer ces logiques dans le cadre de la négociation. L'accord donc, a été signé par l'ensemble des organisations syndicales de salariés, la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC. Il constitue un cadre de référence commun en vue de développer et soutenir la négociation et la mise en œuvre d'actions sur le numérique au sein de l'ensemble des branches professionnelles fédérées par l'UDES et, bien entendu, de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il revient donc à présent aux branches professionnelles de prendre la main et d'agir pour décliner opérationnellement les axes de cet accord, et ce, dans le cadre des actions transversales que nous avons posées à l'occasion de la négociation. L'UDES propose en outre, et ceci à l'issue de chacune de ces négociations, un guide pratique pour permettre aux employeurs de se saisir directement des dispositions de l'accord. C'est encore une fois cette fois-ci le cas, puisque ce guide qui vous sera présenté à l'occasion de ce webinaire sera publié sur le site internet de l'UDES dès la fin du webinaire et pourra donc alimenter l'ensemble des réflexions des employeurs. Je terminerai mon propos en soulignant finalement que transition numérique et transition écologique sont directement liées. C'est notamment en accélérant la première que nous pourrons répondre aux nombreux défis de la seconde. Je pense au télétravail, au travail à distance. Le développement de la numérisation des activités et des échanges transforme notre rapport au réel, au déplacement, aux pratiques d'emploi et de consommation. Alors que l'UDES s'engage dans la transition écologique à travers le projet Objectif Transition 2025, qui débute en ce début d'année 2022, nul doute que les travaux menés ces deux dernières années sur l'impact du numérique sur l'emploi et les conditions de travail seront une importante source d'inspiration. Voilà, à présent, je laisse la parole à Serge Guyot, qui va vous présenter le programme détaillé de ce webinaire. Merci Sébastien pour cette belle introduction, cette remise en contexte et même une mise en perspective. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Serge Guyot, je suis le responsable des relations sociales de l'UDES et en charge d'animer ce webinaire. Donc on va revenir, avant de lancer la première séquence du webinaire, on va revenir sur le programme. Vous l'avez sous les yeux. Donc, la première séquence de ce webinaire va consister à revenir avec Yann-Gaël Fourquier de l'ANACT sur la pluralité des dimensions des impacts du numérique sur les conditions de travail et l'emploi dans l'ESS. La deuxième séquence du webinaire, elle sera consacrée au point central et crucial de ce webinaire. On va s'intéresser à l'accord lui-même. On reviendra avec les négociateurs sur le contexte des négociations, le contenu des négociations, les points forts de l'accord. Interviendront Carole Edouarche pour la CFDT, Antoine Prost pour la CFE-CGC et pour l'UDES, David Cluzeau. Dans le troisième temps, la troisième séquence de ce webinaire, on fera revenir David Cluzeau, mais qui sera accompagné d'Étienne Leblond, qui travaille au sein du pôle relations sociales de l'UDES en qualité de conseiller technique travail et santé. Ils vous présenteront la boîte à outils à destination des entreprises, parce que, comme le fait l'UDES à l'issue de chaque négociation multiprofessionnelle de l'ESS, elle produit un outil à destination des entreprises, des employeurs, un guide, et David et Étienne reviendront dessus pour vous dire ce qu'on peut y trouver et en quoi il est fort utile. Pour en finir et conclure ce webinaire, on aura la chance de bénéficier d'un témoignage fort, celui de Madame Anka Bobok, qui est sociologue du travail et des organisations, chercheur au sein du département de sciences sociales d'Orange Labs et spécialisée sur les usages du numérique en entreprise. Sur les modalités du webinaire, si vous souhaitez poser des questions, il y a un lien pour ce faire qui va vous être envoyé. Vous pouvez le faire à tout moment avec le chat.
et un message, pardon, pas un lien qui va vous être envoyé. Vous pouvez le faire à tout moment, poser des questions. On prendra un temps de réponse aux questions à l'issue de chaque séquence du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viendraient. Voilà, on va pouvoir passer avec Yann Gaëlle-Fourquier à la première séquence de ce webinaire, qui consiste à rappeler à toutes et tous le contenu, les résultats de l'enquête qu'a menée l'ANACT hein, avant la négociation, comme l'a précisé Sébastien dans son propos introductif. Mais avant de céder la parole à Yann Gaëlle-Fourquier, ça a été dit également par Sébastien, mais les questions relatives au numérique, elles étaient déjà là avant l'enquête de l'ANACT pour l'UDES. En effet, c'est la deuxième édition du baromètre Quorum Sides qui a fait ressortir que principalement le numérique, les outils numériques avaient un impact positif sur la sphère professionnelle. Voilà, mais pour creuser la question en vue d'une négociation sur le sujet, l'UDES a souhaité nouer un partenariat avec l'ANACT pour vraiment savoir ce qu'il en était dans les différentes dimensions. Alors, vous précisez aussi que l'ANACT a fait un travail avec l'UDES d'information des organisations syndicales au sein du GDS à chaque étape de l'avancée des travaux de l'étude d'impact. Et voilà, écoutez, je vais céder la parole à Yann Gaël. On va revenir sur l'étude en elle-même, vous éclairer sur les impacts qu'elle a révélés, leur teneur, et puis aussi vous dire, l'étude, elle date de 2019, on va aussi vous dire certainement en quoi cette étude, elle demeure parfaitement d'actualité aujourd'hui. Alors, le premier point que je voulais aborder, moi, avec Yann Gaël, qu'on souhaitait, pardon, aborder ensemble, c'est Yann Gaël. Quels sont les moyens, quelles étaient les temporalités que l'ANACT a utilisées, comment ça s'est organisé, cette étude d'impact? Hop, le slide. Yann Gaël, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, merci Serge. Alors, cette étude, elle s'inscrivait dans des préoccupations pour le coup de l'agence. C'est-à-dire qu'on était en train de mesurer effectivement l'ampleur du phénomène et du coup les incidences potentielles que pouvaient avoir les transformations numériques sur le travail et avec beaucoup d'intensité a priori et donc la nécessité pour nous d'expertiser ça. Et l'UDES nous a offert effectivement un très joli terrain d'expérimentation à la fois sur les modalités, puisque globalement c'est une étude préalable potentiellement à l'ouverture d'une négociation, donc c'est extrêmement intéressant que de pouvoir documenter cette question et d'alimenter la réflexion des partenaires sociaux dans une perspective de négociation. Et puis, ça nous permettait à nous, très égoïstement, mais au regard des fonctions qui sont les nôtres et de notre mission de service public, de nous alimenter pour, là aussi, développer de l'outillage, de la méthodologie et des modalités d'accompagnement à destination du plus grand nombre d'entreprises possible ensuite. Parfait, merci Engel. Alors, une fois qu'on a rappelé ça, est-ce que je la connais bien, l'étude d'impact, les partenaires sociaux la connaissent bien. Est-ce que tu peux revenir sur les impacts révélés? Il y en a trois types. Donc, on a préparé une présentation avec chaque type d'impact. Je commence par le premier. Alors, première série, plutôt que des impacts, on est plutôt sur des constats. Et des constats qui sont, du coup, et effectivement, Sébastien Darigan l'a précisé en introduction, mais qui sont fondés sur l'observation de terrain, puisqu'on a fait un travail auprès de structures issues de six branches, SAP, Nexem, Mutualité, Mission Locale et PIO, Animation et Coopérative, et avec cette idée de faire au moins deux ou trois structures pour chacune de ces branches, et du coup de disposer d'un matériau, alors certes très qualitatif, et qui permettait de commencer à composer à faire un petit état de l'art des transformations telles qu'elles existaient, telles qu'elles se déclaraient, telles qu'elles se manifestaient dans les structures. Et donc, premier élément pour le coup de constat, c'était, et c'est pas très différent de ce qui se passe en dehors de l'économie sociale et solidaire, une vision très centrée sur les outils, les systèmes d'information, etc. Et donc, quand on parle de transformation numérique, en fait, on la regarde par
sa manifestation concrète qui est l'outillage qu'on met à disposition. Et c'est cela qu'on regarde prioritairement. Donc, rien de très nouveau, mais pour autant, effectivement, un premier élément au moins de confirmation de cette approche. La deuxième, c'est quand on a interrogé, puisqu'il y a eu un premier travail préalable d'interrogation des partenaires sociaux au niveau national, c'est effectivement une vision qui était une vision très, à la fois très diffuse, très parcellaire aussi de la réalité des transformations numériques dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et avec des éléments de manifestation. Il y a quelques projets un peu emblématiques ou des initiatives qu'on repérait ici ou là, mais sans vision d'ensemble de ce qui se jouait en termes de transformation numérique sur le champ de l'économie sociale et solidaire. Troisième élément, et du coup aussi intéressant sur ces représentations, ces appréhensions et transformations numériques, l'emploi était la préoccupation majeure, et avec un petit paradoxe, c'est que dans un cadre, dans un contexte où globalement, la préservation de l'emploi est une réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de casse sociale. Il n'y a pas de volonté de casse sociale au travers de ces transformations numériques quand même, et qu'on mise à l'optimisation, à la rationalisation, etc., ou à l'automatisation d'un certain nombre de tâches. Mais pour autant, une focale très centrée sur ces questions côté partenaires sociaux et puis côté aussi direction de structure, très centrée sur ces objets, cet objet qu'est l'emploi, et à travers du coup de manifestations, les évolutions d'emploi et donc les nouveaux emplois ou les emplois à venir en lien effectivement avec ces transformations numériques, les évolutions de compétences associées à ces nouveaux emplois ou à ces évolutions techniques, et puis la question de la formation, bien entendu, puisque c'est aussi une préoccupation et tout à fait légitime, hein, autour de ces questions d'emploi. Sur la vision travail et sur la dimension travail, il y avait pas rien, mais on était plutôt centré sur une approche réglementaire, c'est-à-dire au regard de ce qu'ouvre le droit et la négo, télétravail et charte de connexion. Et donc, l'appréhension se faisait essentiellement par ce biais-là. Et puis, enfin, le dernier élément qui n'est quand même pas inintéressant, au regard de ce que sont les activités, effectivement, des structures de l'ESS, c'est une approche très centrée sur les usagers en disant, ben voilà, en quoi finalement ça permet potentiellement d'offrir d'autres services, une autre qualité de service à nos usagers. Et donc, c'est aussi une entrée qui était une préoccupation essentielle du premier. Ouais, merci, Yann-Gaël, parce que moi, j'ai tendance à voir les représentations comme un impact, ainsi que tu le sais, puis on le verra, je pense, également avec les négociateurs. L'accord a des outils pour participer de façon de parler, casser les représentations. Alors, bah, je te remets sur les autres impacts, hein, parce que, évidemment, ça va dans la suite des choses. Hein. Deuxième élément caractéristique pour le coup de ces dynamiques de transformation, et là avec du coup des découvertes nous concernant, effectivement avec des dynamiques qui sont et des manifestations du coup de ces transformations, des origines de ces transformations nécessairement dictées par l'externe, avec quatre moteurs un peu différents. Le premier, autour finalement de la demande des usagers et de la nécessité de renforcer la fameuse expérience client. Et donc là, pour le coup, on est vraiment sur une transposition de ce que connaît le secteur privé classique. Et on l'a vu dans les milieux, et notamment dans les activités tertiaires ou de services, cette logique qui a pris le pas, où c'est toujours plus d'expérience et il faut liker pour dire combien on aime ce que l'on nous propose, et donc avec des outils à disposition. Donc on avait cette première entrée qui était effectivement du coup le premier moteur autour de la demande des usagers et du coup du renforcement de cette logique expérience client. Le deuxième, et qui est là pour le coup une caractéristique très spécifique des activités de l'ESS, c'est des exigences pour le coup des acteurs institutionnels autour de l'imposition d'un certain nombre d'outils, et notamment des outils de reporting. Et là, on peut penser à un certain nombre de structures type mission locale, toutes les structures qui sont dans le champ de l'aide à la personne pour lesquelles, effectivement, il y a du rendu compte qui s'opère auprès d'autorités de tutelle. Et du coup, avec des contraintes qui s'imposent et qui s'imposent à elles sans qu'elles aient choisi quoi que ce soit. Et donc là, ça pose effectivement un certain nombre de questions sur ce que sont les impacts en termes de conditions de travail dans ces structures dès lors qu'on leur impose des systèmes d'information auxquelles elles doivent se plier sans avoir de marge de manœuvre pour s'y plier. Et puis, deux moteurs complémentaires, un moteur qui est lié, pour le coup, à la question du modèle économique
Et il y a la nécessité de s'adapter. On regarde effectivement un contexte qui est aussi celui de l'ESS avec une diminution des subventions. Et donc, le numérique comme effectivement levier pour là aussi gagner quelques marges, si tant est qu'on puisse en gagner. Et puis, le dernier élément, qui est un élément là aussi qui a percuté au moins certaines activités dans l'ESS, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs sur certains marchés complètement digitalisés et qui arrivent avec des prix du coup, et des modèles économiques qui sont en rupture complète avec les approches traditionnelles dans le secteur de l'ESS. Écoute, merci. On va poursuivre sur les impacts dans le concret repéré dans le cadre de l'étude parce que ça va de sens dans la suite. Voilà. Et du coup, si on se concentre vraiment sur la question du travail et de ses impacts, premier élément, de fait, et je l'ai déjà un peu dit précédemment, cette question de l'automatisation et de la rationalisation des processus pour le coût de production ou de création de services, dans tous les cas, effectivement, à certains endroits, et on l'a constaté, on passait du papier-crayon aux dernières versions de gestion électronique de documents en version full web. Donc, des ruptures complètes et avec, du coup, une automatisation d'un certain nombre de processus et du coup des incidences fortes sur les organisations du travail sans qu'elles soient complètement pensées ou même sans qu'on imagine ce qui pouvait se jouer pour le coup en termes de contenu du travail, d'organisation, etc. Deuxième élément, et parce qu'il n'y a pas que des effets néfastes pour le coup à cette transformation numérique, c'est dans un certain nombre de cas la volonté d'avoir à la fois du coup une proposition de service qui permette de donner davantage de visibilité aux usagers sur le service, la manière dont il se rend, etc. Et donc là, avec des choses plutôt intéressantes et des initiatives, notamment je pense à une mission locale qui avait développé un outil de matching pour du coup permettre à des jeunes de trouver des emplois et en réponse à des offres spécifiques déposées par des entreprises et avec une vraie transparence sur la manière dont fonctionne le matching, comment il s'opère et de la régulation assurée par les conseillers de mission locale. Donc, vraie forte transparence. Et deuxième élément, c'est autour des modalités de coopération où effectivement, dans un certain nombre de cas, et on l'a vu dans certaines structures, ça permet de renforcer très concrètement la capacité à coopérer et à coopérer notamment quand on est sur des sites distants où ça pouvait être difficile jusque-là et là, on ouvre des possibilités. La contrepartie de ça, c'est qu'on assiste effectivement à des fragmentations de plus en plus fortes des espaces et des temps de travail puisque l'unité de temps, de lieu et d'action, elle peut être rompue plus facilement, notamment avec la généralisation du télétravail. Et que ça pose là aussi un certain nombre de questions d'organisation qui ne sont pas forcément des problèmes, mais ça pose au moins ces questions-là qu'il faut pouvoir traiter. Quatrième élément, c'est concernant la qualité des relations sociales, c'est qu'effectivement, la médiation via des outils numériques, elle incite effectivement à développer d'autres modalités de relations, elle pose la question des régulations entre managers et collaborateurs, au sein des collectifs de travail et que pour le coup, là aussi, il y a aussi des choses à penser ou à repenser. Là où s'opérait jusque-là, le matin, la répartition des dossiers, par exemple, au sein du mutuel, puisqu'il y avait le système de la corbeille et que chacun piochait les dossiers sur lesquels il était compétent ou le manager faisait aussi un arbitrage sur la répartition. Quand vous avez une JET qui pousse directement à chacun des collaborateurs et des gestionnaires des dossiers sans avoir fait un tri préalable, sans qu'il y ait cette logique effectivement d'ajustement entre ce que je suis en capacité de faire, ce qui est prioritaire, etc., et bien on perd en qualité de relation potentiellement. Et puis le dernier élément, et je vais relativement vite, sur la fracture numérique et la polarisation des emplois, deux éléments assez simples, c'est que on constate un accroissement effectivement des inégalités, mais on regarde là aussi des populations qui sont visés par cette transformation, que ce soit au sein des entreprises et des structures de l'ESS, mais aussi au regard des usagers, c'est-à-dire que ça nécessite de l'accompagnement pour la prise en main d'un certain nombre d'outils, et on l'a vu notamment avec les jeunes côté édition locale qui peuvent être habiles avec des smartphones sur certaines interfaces, mais qui, dans le cadre d'une recherche d'emploi ou de démarches administratives, sont complètement paumés. Vous excuserez la trivialité, mais c'était vraiment la réalité d'expression des conseillers de mission locale pour lesquels il y a une nécessité effectivement
de refaire du lien et de l'explicitation et de la pédagogie. Et du coup, un accompagnement assez important. Et puis sur la polarisation des emplois, un constat simple, c'est de fait, entre ceux qui maîtrisent la techno, pour le coup, et avec des emplois de plus en plus qualifiés sur ces secteurs d'activité ou ces temps-là, et puis ceux qui la subissent, ou du moins qui sont de simples utilisateurs. Et là, on voit bien que se jouent aussi des choses, et on l'a vu notamment dans le secteur des mutuelles, avec l'arrivée de data analystes, etc. Enfin, tous ces nouveaux métiers qui tendent à éclipser l'activité traditionnelle, notamment l'activité de gestion, réalisée par des gestionnaires. Voilà, pour faire court. Est-ce que j'ai respecté ? Merci, Gabriel. Merci beaucoup. Alors, merci. C'est hyper éclairant. C'est très, très éclairant, tous ces impacts. Et surtout, c'est ce qui a servi d'appui à la négociation. Alors, je répète à toutes et tous que vous pouvez, via le chat, poser des questions. Alors, à date, je n'en vois pas. C'est ce qui me fait dire, ce qui me fait rappeler que c'est possible. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais moi, j'en ai une question pour Yann Gaël, du coup. Bon, l'étude date de 2019. On va se le dire. Elle est toujours d'actualité, Yann Gaël ? Elle est toujours d'actualité. Alors, je dirais oui et non, parce que deux années sont passées et qu'on a vu effectivement s'amplifier ou s'accélérer, du moins, cette transformation numérique du fait de deux années de confinement. Il a bien fallu pallier l'incapacité à travailler en présentiel et du coup à s'organiser en distanciel. Donc, de fait, ce à quoi on a assisté, c'est l'accélération de ces transformations. Alors, pas forcément des transformations du reste, et je ne l'ai pas dit, mais on n'a pas forcément de rupture technologique, notamment dans l'ESS, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a constaté. Alors, il faudrait le regarder aujourd'hui pour voir si, de ce point de vue-là, il n'y aurait pas actualisé un peu les choses. Mais en revanche, une amplification du phénomène, du fait des contraintes qui ont été imposées par la crise sanitaire et les confinements successifs. Donc ça, c'est assez certain, mais pour le reste, il semble qu'effectivement, il n'y ait pas de... Elle reste encore largement valable. Sur un certain nombre de constats, on peut espérer que là aussi l'étude et puis pour le coup l'accord que vous avez signé il participe d'une meilleure prise en compte de ces questions et du coup d'une intégration plus amont dans les projets de transfo des réflexions autour des impacts sur les conditions de travail. Donc ça serait à regarder, on peut penser que ça a évolué positivement, enfin, on peut le souhaiter. Mais je crois qu'il y a, sans dévoiler ce qui va être dit dans d'autres séquences de l'accord, je crois qu'il y a une question qui se posera au niveau multiprofessionnel dans les branches et les entreprises à ce sujet pour maintenir l'état d'observation des choses. Alors, je voulais quand même souligner, avant de passer à la deuxième séquence de ce webinaire, ce qui est important de souligner, c'est que l'étude de l'ANACT, elle est annexée. C'était une étude qui a été convenue dans le cadre d'un partenariat entre l'ULES et l'ANACT, mais elle est devenue un véritable support paritaire en définitive, puisqu'elle fait partie des annexes de l'accord multiprofessionnel relatif aux impacts du numérique sur les conditions de travail et l'emploi dans l'ESS. Donc je vais maintenant ouvrir la deuxième séquence de ce webinaire. Alors, je vais appeler Carole Elgouarche pour la CEDT, Antoine Prost pour la CFE-CGC, et je pense que David Cluzot va rallumer sa caméra. Merci à vous trois. Chers toutes et tous participants, vous voyez précisément les titres et fonctions de nos trois intervenants, qui sont les négociateurs de l'accord. Alors, effectivement, Sébastien Darigrand l'a précisé en introduction du webinaire, hein, et ça a été redit, les négociations, elles ont débuté le 14 janvier 2020, après la signature d'une position commune. Le temps de prendre la mesure complète de l'étude qui nous avait été proposée par l'ANACT, et même des préconisations qu'a fait l'ANACT à l'aune de celle-ci. Les négociations, se sont terminées le 6 octobre 2020, et il nous a fallu, me semble-t-il, 10 réunions de négociation pour parvenir à l'accord qui a été signé par l'ensemble des organisations syndicales de salariés. C'est pour ça qu'on a mis les 5 logos au-delà des...
des organisations qui participent au webinaire de ce jour et précisément à cette séquence. Voilà. L'accord, je vais vous le mettre sous les yeux. Il est constitué en quatre temps, en quatre étapes. Effectivement, ces étapes, il y a un préalable, et les négociateurs y reviendront dans les échanges à venir, c'est la conduite du changement inclusivement. Je ne vais pas en parler plus que ça à titre d'introductif. Voilà. Juste pour rappeler, l'accord, et il y a un lien qui va apparaître dans le chat, il est parfaitement téléchargeable d'ores et déjà avec l'ensemble de ses annexes sur le site internet de l'UDES. Le lien va apparaître dans le chat incessamment sous peu. Je vous rappelle la possibilité, une fois encore, de poser toutes les questions que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez. À la fin de chaque temps, nous y revenons. Et là, je cède la parole donc à Carole Elgouarche pour la CFDT, Antoine Prost pour la CFE-CGC, à David Cluzeau pour l'UDES. Et on va commencer en revenant sur le contexte de négociation qui, somme toute, a été un peu particulier et l'accord d'un point de vue global. Donc, je cède la parole tout de suite à David Cluzeau. Merci, Serge. Bonjour à toutes et tous. Là, tu demandes de se dire quel était le contexte de l'accord qu'on a signé. C'est vrai que c'est particulier, donc, ce contexte de l'accord. Voilà. Dans quel contexte il s'est inscrit et en quoi ce contexte, globalement, a influé sur les négociations à proprement parler. Yann Gaël vient de rappeler la première phase du contexte, c'est-à-dire la longue étude qu'on a menée avec l'ANACT et qu'on a pris le temps de partager, d'amender, de discuter, de bien comprendre avec l'ensemble des partenaires sociaux et tous les collègues des confédérations syndicales qui sont membres du groupe de dialogue social de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est le premier contexte. C'est de dire assez tôt, finalement, la question du numérique, elle est centrale, même si au départ, elle ne paraît pas complètement évidente. Yann Gaël l'a un petit peu dit sur la transformation de nos métiers et donc il fallait qu'on précise un petit peu quelles étaient les incidences de la transition numérique, comme on a l'habitude de l'appeler. C'est le premier contexte, et Yann Gaël l'a appelé. L'étude faite en 2019 était valable à l'époque, l'est toujours, et donc cet accord-là avait du sens. Après, la question qui s'est posée assez rapidement aussi à nous, c'est que le 14 janvier 2020, d'ailleurs, Serge, on a conclu le 6 octobre 2021, pas 2020, on a mis presque 2 ans pour négocier. Mais à coup le pas, j'ai fourché. Merci David, tu as parfaitement raison de leur préciser. C'est pas grave, mais c'est important. C'est important aussi pour expliquer comment on négocie, en tout cas au niveau de l'UDES, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'allers-retours, mais ça nous permet d'avoir des accords qui sont denses, qui sont précis et qui sont fouillés et qui, globalement, vont aller balayer un grand nombre de thèmes et de points. C'est affiché. Vous voyez bien, on est parti sur une démarche qui dit on essaie d'appréhender l'ensemble des problématiques posées par la question numérique. Ça implique une conduite du changement. S'il faut observer, il faut diagnostiquer. Puis après, il y a la question évidemment de l'accès à la transition numérique. Et globalement, ensuite, ça veut dire quoi dans l'entreprise en termes de pratiques et de régulation? Ce sont les 4 chapitres de l'accord. On aura l'occasion d'y revenir. Mais quand on est le 14 janvier, à 2 mois, nous sommes à 2 mois du confinement en réalité. Et le confinement va nous interroger. Alors, ça ne nous a pas empêché de continuer à négocier. Ça a peut-être changé un petit peu le rythme, ça ne nous a pas empêché de continuer à négocier. Mais ça a mis aussi en lumière 2 autres aspects qu'on n'avait pas nécessairement complètement en tête quand on a commencé à brosser l'ossature des premières négociations. Évidemment, le télétravail, le confinement étant un accélérateur, au moins de ce point de vue-là, de la transition numérique. Et puis, second point, quelque chose qu'on a aussi découvert, c'est celle du dialogue social au niveau des branches, au niveau de l'entreprise et évidemment au niveau multiprofessionnel. Comment, dans un contexte de confinement à l'époque, un contexte distanciel, on était en capacité de pouvoir continuer à faire vivre le dialogue social. Donc, ce qui fait que finalement, c'était un sujet évident de transformation, c'est devenu un sujet brûlant d'actualité et que les discussions qu'on a eues se sont nourries à la fois l'étude de l'ANACT, pardon, et à la fois des sujets d'actualité qu'on vivait de manière brûlante au quotidien dans le cadre des négociations.
voilà comment s'est construite cette négociation. Merci, merci David. Alors, je passe la parole à Carole Evoirche pour le point de vue de la CFDT sur ce contexte global, en quoi la crise a influé. Avant de venir sur le point sur notre capacité comme une collective, comme vient de le rappeler David Cluzeau, à nous adapter à de nouvelles méthodes aussi de négociation, je voulais revenir quand même sur la genèse, en tout cas pour la CFDT, de l'importance de travailler sur l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi. C'est notamment, vous l'avez rappelé en introduction, Serge, le baromètre Quorum UDESC-QVT, le baromètre QVT-Quorum CIDES qui avait été présenté lors d'un GDS, où en effet les questions de l'impact du numérique sur les conditions de travail avaient été questionnées. Et pour nous, au CFDT, ce n'était pas une question c'est une question sur laquelle on travaillait depuis déjà un moment, notamment, sans faire ma page de plume, mais tout de même, dès 2016, une enquête, une grande enquête, ça a été d'ailleurs la plus grande enquête sur le travail, qui est Parlons Travail, hein, dont les résultats sont toujours en ligne, parce que le site est toujours actif, vivant, où on s'était rendu compte notamment de l'importance aussi que dans le cadre des conditions de travail et des outils qui étaient mis à disposition des travailleurs, il était important pour eux de se prononcer sur comment on l'utilisait, comment on pouvait peut-être l'améliorer, etc. Si j'en parle, c'est tout simplement parce que pour nous, sur cet accord, c'était important d'associer les premières personnes qui sont impactées, c'est-à-dire les salariés. En effet, on a fortement poussé, et c'est d'ailleurs dans le préambule, deux choses. Tout d'abord, bien évidemment, de rappeler que c'est l'homme qui doit s'adapter. L'homme, quand je dis homme, c'est un grand H, hein, parce que, comme vous l'aurez vu, je suis une des rares femmes autour de cette table. Donc, ce point, c'était vraiment que les femmes et les hommes n'est pas à s'adapter complètement aux outils, même si, comme l'a rappelé Anne-Gaëlle dans son introduction, parfois il n'y a pas le choix, mais en tout cas, quand il y a la possibilité, il faut absolument que ce soit l'outil qui s'adapte, hein, pour ne pas dégrader les conditions de travail. Et au-delà de ça, si je reviens sur la prise de parole des travailleurs et des salariés, des utilisateurs, c'est parce qu'il nous paraissait important, dans une méthode où, en effet, la conduite du changement était plus que, on y reviendra plus tard, mais plus qu'obligatoire, c'était aussi pour nous la création de ce qu'on appelle le dialogue professionnel, c'est-à-dire de permettre des espaces pour donner la parole aux salariés sur ce qu'ils vivent au quotidien, tout ça en bien évidemment en articulation avec le dialogue social. Parce que pour la CFDT, mais on voit qu'on y revient, mais c'est un grand débat avec l'UDES, sur la qualité de vie au travail, hein, qui nous paraissait le thème central, essentiel, plutôt que de l'aborder de manière transverse, même si on voit qu'au travers de cet accord, la place de la qualité de vie au travail est bien présente. Donc, c'est pour ça que nous sommes rentrés dans cette négociation, pour laquelle, vous l'avez rappelé, il y avait une déclaration commune. Et c'est une méthode de travail qui, je pense, aussi, alors certes, rajoute du temps, c'est du temps long sur la négociation, mais permet d'avoir un accord de méthode, entre guillemets, qu'on peut connaître dans les branches ou dans les entreprises quand on démarre une négociation, c'est-à-dire se mettre d'accord sur un état des lieux sur ces choses-là. Et puis, comme je le rappelais, c'est vrai qu'on a un peu bousculé nos négociations et la construction de l'accord à cause de la crise sanitaire, parce que même si, malheureusement, et notamment dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire, et je pense tout particulièrement à l'aide à domicile, ou aux cliniques de mutualisme, les cliniques mutualistes ou autres, elles n'ont pas été toutes contraintes au télétravail, puisque ces personnes ont été heureusement là lors du premier confinement pour affronter la crise sanitaire. Mais en tout cas, on a vu que la place du télétravail contraint, parce que ce n'est pas loin de là, en mode dégradé, qui avait été mis en place, nous a fait réfléchir à la structuration même de l'accord, et c'est comme ça qui est devenu annexée à l'accord, tout comme l'étude de l'ANACT, nous avons annexé une proposition d'accord de cadre sur le télétravail. Ça nous paraissait essentiel d'aider aussi les branches et les entreprises à pouvoir mettre en place, quand le dialogue social existe, parce qu'il y a des représentants, je pense surtout aux petites entreprises, aux petites associations, de cadrer le télétravail. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, en tout cas.
Merci beaucoup, Carole. Oui, vous avez donné des pistes pour les discussions qui vont venir tous les trois. Même question pour la CFE-CGC, hein, je m'adresse à Antoine Prost. Quel est le ressenti de la CFE-CGC, un peu comme ça, sur la genèse, le contenu des négos et, à son sens, l'impact de la crise sanitaire sur celle-ci? Ah, Antoine, pardonnez-moi, il faut remettre votre micro. Voilà, c'est parfait. Ça va mieux. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ironie de l'histoire et dans une vie antérieure, concernant cette problématique dont nous débattons aujourd'hui, j'ai souvenir d'avoir signé en octobre 2018 un EDEC avec, j'étais à l'époque à l'OPCA Uniformation, j'étais vice-président représentant la CFE-CGC et c'était François-Édouard qui représentait l'UDES qui présidait l'OPCA, d'avoir signé avec l'UDES, avec Uniformation, avec les 5 organisations syndicales, un EDEC pour aider les entreprises à relever le défi de la transition numérique en identifiant ses impacts et l'organisation du travail. Et cet EDEC, il était, comme le rappelait Sébastien Darigo au début de réunion, suite à l'étude menée par l'UDES et l'ANACT et par Uniformation. Donc j'ai effectivement mis pour la première fois le pied dans cette problématique au moment de la signature de cet EDEC. Ensuite, si vous vous rappelez aussi l'histoire, donc, au niveau de la présidence de l'OPCA, nous avons eu d'autres priorités suite à une réforme avec François-Édouard et puis David Cluzot n'était pas bien loin non plus. Nous avons dû transformer les OPCA en OPCO et défendre celui qui nous tenait à cœur. Ensuite, toujours ironie de l'histoire, à la demande de Jean-Michel Picorini, qui est notre chef de file confédéral CFE-CGC dans ce groupe du dialogue social, il m'a demandé de remplacer une de nos collègues qui était partie dans ce groupe de travail. Donc, du coup, j'ai rejoint le groupe de travail sur l'impact numérique. Bon, il y avait déjà une équipe constituée, hein, je ne suis pas arrivé tout seul. Et j'ai pris des travaux en cours, mais la CFE-CGC s'est inscrite tout de suite dans cette démarche, hein, dès le début. On a partagé la conviction que le dialogue social et la négociation collective sont des leviers essentiels pour appréhender, anticiper et prendre en compte l'impact du numérique sur les conditions de travail et d'emploi. Pour nous, le numérique, ce n'est pas un sujet d'expert en informatique ou en technologie. C'est un outil de travail qui doit être présenté, compris et approprié par l'ensemble du collectif du travail, chacun dans son périmètre. Alors, pas de souci, on a pris à bras-le-corps toutes les thématiques qui étaient envisagées. De notre côté, on a aussi essayé d'y adjoindre un petit peu toutes les problématiques de santé au travail, parce que c'est une vraie révolution. Avoir un impact numérique, ça peut avoir aussi des conséquences sur la santé au travail. Donc, on a un peu, pour ce qui nous concerne, défendu cette partie dans la négociation. Et ce que l'on peut reconnaître, c'est que pourquoi cette négociation a abouti, c'est parce que l'ensemble des partenaires se sont donné le temps de négocier, d'échanger, de partager. Et c'est unanimement, bien sûr, qu'à la sortie, on a cet accord sur l'impact numérique, mais on reviendra un peu plus en avant, comme le rappelait Carole, au fil de cette discussion sur les différentes thématiques. Et merci à tous les trois, parce que vous avez déjà fortement contextualisé puis dépassé le contexte en parlant un tout petit peu d'ores et déjà du contenu de l'accord, mais ce qui est très bien, parce que ça m'emmène, le choix qui a été fait dans la négociation, hein, c'était d'avoir une étape préalable relative à la conduite du changement. C'est l'objet de l'accord préliminaire de l'accord, du texte. Et là-dessus, c'est l'idée générale, il me semble, c'est de donner les pistes aux différents niveaux pour conduire le changement le moins mal possible ou le plus efficacement que sais-je,
Dans ce contexte-là, de ce contexte de transition numérique, voilà, David, plutôt du point de vue de l'UDES, quels étaient les points importants à souligner, à retirer de cette première étape de l'accord, cette étape préalable? Ouais. Au risque, sans doute, de dire une lapalissade, mais du point de vue de l'UDES, au regard des impacts, je vais me permettre de les rappeler, relevés par l'ANACT, qui sont les modifications des processus de production, quelle que soit la nature de la production, les différences, enfin, l'évolution des principes de coopération, le sujet du rapport à l'espace et au temps de travail, enfin tout ce que disait Yann Gaël tout à l'heure, sans oublier la qualité des relations sociales et bien évidemment la fracture du numérique. Je crois que quand on voit la nature des impacts qui ont été dégagés par l'ANACT, pour nous, on pensait, ça paraît évident, mais que la conduite du changement, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, s'anticipe, qui a besoin de faire des diagnostics, d'être observé. Ça, c'est une chose, comme dans toute conduite du changement, finalement. Il n'y a rien de tout à fait nouveau là-dessus. En revanche, ce dont on est certain aussi, et c'est ce qu'on a porté au sein de l'UNES, c'est que la conduite du changement, elle n'est pas l'affaire de l'une ou de l'autre des parties. Elle doit être l'affaire de l'ensemble des parties prenantes. Quand je dis l'ensemble des parties prenantes, c'est à la fois les dirigeants, les managers, les salariés, et tout le monde doit rentrer dans cette dynamique du conduite du changement si on veut qu'elle soit réussie, qu'elle soit bien comprise et qu'elle soit acceptée aussi par l'ensemble de la communauté de l'entreprise. Pour ça, et c'est une des... peut-être, je ne sais pas si une nouveauté de l'accord, mais Carole Elguarche en parlait tout à l'heure, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de leviers à utiliser. Alors, il y a le levier normal et traditionnel quand on est dans l'espace de dialogue social, qui est justement le dialogue social avec les institutions représentatives du personnel. Ça, on le construit de manière traditionnelle et il faut le faire avec efficacité et conscience. Mais par ailleurs aussi, d'élargir probablement la réflexion à une communauté de professionnels un peu plus vaste, et c'est là qu'intervient cette notion qu'évoquait Carole, qui est celle du dialogue professionnel, qui va au-delà de la simple posture managériale. C'est pas une évolution du management, c'est inscrire une nouvelle manière de dialoguer, de construire des pratiques et d'amener le changement et les transformations au sein d'une entreprise pour qu'elle soit plus efficace, plus efficiente, c'est évident. Puis évidemment, le retour d'expérience, qu'on regarde comment ça se passe, être capable de se dire qu'on s'est trompé, qu'il y a des choses à améliorer, à amender, peut-être aussi regarder ce qui se passe chez les voisins. En tout cas, prendre aussi le temps de conduire ce changement et n'oublier personne sur le bord de la route. On risque que le projet et que la conduite soient un échec et que finalement, on soit obligé de revenir en arrière ou d'abandonner de ne pas prendre bien en compte les évolutions qui sont à l'œuvre au sein de la société d'une manière générale et probablement au sein des entreprises d'une manière plus particulière. Tout ça pour dire que ça doit être extrêmement partagé, que la démarche qu'on a voulu insuffler avec les partenaires sociaux qu'on avait discuté est une démarche particulièrement inclusive et qui doit être précise dans ce qu'elle décrit, dans ce qu'elle porte, pour que les utilisateurs finaux, qui finalement seront les salariés, y trouvent toute la compréhension, toute leur place et toute la capacité à pouvoir s'investir dans un projet nouveau, en tout cas avec des outils qui sont nouveaux. Merci David. Les trois strates sont importantes et puis effectivement dans les propos introductifs du contexte global, que ce soit d'Antoine pour la CFE-CGC ou de Carole pour la CFDT, on a entendu dialogue social, dialogue professionnel, ce qui fait parfaitement écho à ce qu'on va retrouver dans cette étape préalable de l'accord. Alors, je donne la parole à Antoine, parce qu'il a parlé de dialogue social avec une certaine poignance dans son propos relatif au contexte. Ben, c'était au niveau de la CFE-CGC, la part la plus importante, puisque là on est dans le multipro, c'est dans les gènes du multipro d'avoir un dialogue social. Moi je suis issu du secteur de l'économie sociale et solidaire, et dès l'instant où je suis rentré dans ce secteur, on a dialogué, on a négocié paritairement sur l'ensemble des sujets qui concernaient nos branches professionnelles.
cette sensibilité que j'avais à titre personnel, je l'ai transmise à mes collègues qui sont plus dans l'interpro au niveau de la CFE-CGC. Et donc, ils ont trouvé d'oser aborder cette façon paritaire ce sujet, ils ont trouvé, et tout ça pour aboutir à un accord, ils ont trouvé cette manière de faire un peu banale. Mais bon, c'est comme ça. Et ils en ont, et nous en avons, puisque après tout, je suis aussi de la CFE-CGC, nous en avons été confortés que le dialogue social, pour l'instant, c'est le plus important, et que bon, pour la suite de cette histoire de l'impact numérique, il va falloir que ce message et cette sensibilité dans le dialogue, il va falloir qu'on la fasse passer au sein des branches, au sein des entreprises, au sein des salariés, et qu'ils se l'approprient, parce que tout ce travail, c'est pour eux. Quand on a négocié, on a pensé également à eux, hein, on a pensé bien sûr au respect de la vie personnelle, parce que sous cette technologie qui est un peu envahissante, on voit bien aujourd'hui que ça peut être problématique, on a très clairement, dans cet accord, fait en sorte qu'on puisse respecter la vie personnelle, le droit à la déconnexion, la protection des données, tout ce qui est ce côté un peu obscur de l'impact numérique. Merci beaucoup, Antoine, parce qu'effectivement, dans l'accord, le dialogue social, dans la conduite du changement, c'est posé en premier, aux différents niveaux. Vous avez raison. Je donne la parole à Carole, parce qu'elle, dans son propos introductif, elle a parlé du dialogue professionnel, et l'accord définit le dialogue professionnel pour participer de la conduite du changement. Carole, c'est à vous. En effet, ça aurait été dommage que dans un accord négocié par les partenaires sociaux, le dialogue social ne prenne pas une place importante. Il y aurait eu un manque. À l'évidence. Et non signé, je l'imagine, par les 5 confédérations syndicales. Toutefois, oui, quand je parlais du dialogue professionnel, en effet, on l'a même défini dans le préambule. On lui a même donné sa définition dans le préambule auquel je vous propose de vous y reporter. Mais parce que pour nous, en effet, tant le sujet qui est l'impact du numérique que l'habitude quand même, il faut être honnête, notamment je pense au monde associatif sur tout ce qui est expérimentation, comment on amène les gens à évoluer, je pense au monde de l'insertion par l'activité économique notamment, comment on aide les gens à s'émanciper, etc. C'est un peu, ça nous paraissait essentiel que dans l'ESS, cette place qui est donnée aux professionnels soit importante, parce que pour nous, la conduite du changement, elle devait passer, elle doit passer par l'articulation, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le dialogue professionnel et dialogue social. Pourquoi ? Parce que par le dialogue professionnel, comme on le disait, ça permet de mobiliser l'expérience utilisateur, y compris celle des managers. C'est important aussi de ne pas oublier les managers, parce que souvent, et on a fait attention d'ailleurs dans l'accord, on pense à celui qui impulse la conduite, qui est soit qui sont les dirigeants, tant bénévoles que non d'ailleurs bénévoles, mais on pense aux salariés, on n'oublie pas les représentants du personnel, hein, c'est important, et souvent on oublie le manager qui lui est toujours la personne qui est entre à mettre en place des choses à juste titre, mais aussi qu'il y a des retours parfois négatifs à gérer des salariés. Donc, du coup, c'est important aussi que dans les espaces de dialogue professionnel, les managers y soient inclus, parce que ça permet, donc, comme on le disait plus tôt, la réussite d'un projet. Et en effet, l'expertise, et David le rappelait tout à l'heure, l'expertise des utilisateurs est quand même la base qui doit permettre la réflexion quand c'est possible. Et ça, je le rappelle, parce que c'est vrai que quand on impose, quand on met en place un logiciel et que le logiciel, on n'a pas du tout de marge de manœuvre pour le faire évoluer, c'est à un moment donné, il faut raison garder par rapport au dialogue professionnel qui, de toute façon, ne pourra
ça se transformera plus en espace de dialogue social, en espace de dialogue professionnel, pardon, que de dialogue social. Et puis, donc ça permet donc à la conception, à l'évolution des outils concernant le dialogue professionnel et son articulation avec le dialogue social. On pourrait dire que, notamment par la voie de la négociation collective, c'est aussi comment on améliore la qualité de vie au travail des salariés, comment, au travers des impacts, on réfléchit à l'articulation des temps de vie, tant vie personnelle que professionnelle, et pourquoi pas militante. Je pense que dans l'ESS, même si on n'est pas dans l'ESS, on le dit toujours, CFDT, c'est pas parce qu'on est salarié dans l'ESS qu'on adhère. On est militant, hein, on est salarié, mais pour autant, on peut être militant syndical, et donc il faut penser aussi à ces articulations. Et donc, du coup, ça aussi, ça peut être des outils pour alimenter le dialogue social. Donc, voilà ce qui pour nous, permet la conduite de, enfin, en tout cas, le test de la conduite de changement pour qu'elle soit une réussite. Oui, merci, parce que la conduite du changement, cette étape préalable de l'accord, cet article préalable de l'accord, on y a passé du temps, hein, mais il imprime le reste de l'état d'esprit de l'accord, et vous l'avez dans les différentes dimensions que vous avez tous les trois rappelées. Donc j'en viens rapidement, là, la vraie première étape de l'accord, c'est le diagnostic, l'observation et l'expérimentation. Et l'idée forte de ça, c'est de dire qu'avant de mettre en œuvre un projet de transformation numérique, bah, il vaut mieux en avoir mesuré les impacts. C'est un peu ce qu'on a fait avec l'ANACT au niveau national multiprofessionnel dans le cadre avant d'aller négocier l'accord. Et effectivement, après, on parle d'observation. Donc, on va regarder dans le temps, c'est ce qui a été souligné par Yann-Gaël tout à l'heure et que a réappuyé David. Et puis, on voit même expérimenter. Alors, David, comment tout ça se traduit-il dans le texte de l'accord, précisément dans cette première étape, cet article premier de l'accord? Je rebondis un peu sur ce que vient de dire Carole aussi. Je vais répondre à ta question, Serge, évidemment. Bien sûr. Mais c'est intéressant parce que dans l'accord, Carole le disait, je crois aussi, dans ses propos introductifs, on s'est dit que, et on a pris comme principe logique, que, a priori, c'est plutôt aux outils numériques, dans la mesure du possible, de s'adapter à l'homme et non l'inverse, ou moins l'inverse. C'est une des contraintes quand on mesure l'impact du numérique, quand on essaie d'observer les choses, parce que finalement, Carole le soulignait, il y a des outils qui nous sont imposés, quand on est, quel que soit le secteur économique, d'ailleurs, dans les nôtres en particulier, parce qu'on a des relations avec les autorités de tarification et de contrôle qui nous imposent un certain nombre de choses, et que donc, finalement, là, on souhaiterait avoir une marge de manœuvre, on ne l'a pas toujours comme on veut. Ceci dit, c'est assez général. D'une manière assez globale, on prend les outils et on essaye de s'adapter aux outils qui sont les nôtres. On essaie de les adapter aux pratiques, mais il y a assez peu d'outils d'outils numériques, je parle, qui vont avoir une déclinaison fine en fonction du secteur d'activité, du métier qui est le nôtre, etc. etc. Et donc, la réflexion qu'il faut avoir, si notre principe est de dire qu'il faut que les outils s'adaptent à l'homme, clairement, la réflexion qu'on peut porter aussi, c'est comment ça participe, comment on se débrouille pour que ça participe à la qualité de vie au travail, ça l'améliore, et que ça améliore aussi la qualité de travail. Et donc, la mesure d'impact, elle doit veiller à ce que ça ne détériore pas ces deux aspects-là, mais que ça soit bien quelque chose qui soit plutôt dans une dynamique de progrès. Alors, Antoine parlait tout à l'heure de l'EDEC qu'on avait signé et auquel Uniformation a largement participé. Et dans le cadre de cet EDEC, au niveau multiprofessionnel, on préconise de faire un diagnostic partagé des impacts du numérique. Et d'ailleurs, pour ce faire, on a travaillé un outil d'auto-diagnostic qui est en ligne, me semble-t-il, à la fois sur le site de l'UDES, sur le site d'Uniformation, à disposition des entreprises pour avoir une première évaluation, mais on a aussi travaillé avec Didactem sur la question de l'évaluation des risques qui nous permet d'avoir une grille de compréhension de l'effet que peuvent avoir, en tout cas de pouvoir tenter d'évaluer les risques que peuvent avoir les outils numériques, en particulier les situations, et notamment les situations de télétravail. Ceci étant dit, la particularité aussi de la transition numérique, c'est que ce n'est pas une transition stable, ce n'est pas une transition dont on peut imaginer qu'un jour elle va s'arrêter à telle date donnée. C'est
tu as un environnement qui est en mutation permanente. Donc, probablement que sur cette construction-là, on doit avoir le réflexe de régulièrement revenir à la mesure d'impact ou à l'évaluation des effets sur le numérique et de finalement remettre régulièrement, régulièrement le métier, pardon, l'ouvrage sur, sur le métier. C'est à mon avis ça que le numérique nous apprend aussi de manière assez particulière, c'est que la question de l'évaluation, la question du fait de se retourner, de regarder quels en sont les effets, elle devient quasi permanente. Et donc finalement, sans aller jusque-là, mais c'est aussi, j'aurais presque tendance à dire qu'on est dans l'expérimentation permanente. Il n'y a pas un jour où il y a une nouvelle appli qui sort, une nouvelle évolution qui sort, etc. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc, suivre, évaluer de manière permanente. Quand on fait quelque chose de nouveau, ben avoir ce réflexe-là de dire on regarde, on corrige, on supprime, on revient, on remédie. Et donc, ça va demander une agilité et donc de se former une forme d'agilité sur l'utilisation des outils numériques. Et puisqu'on est dans l'expérimentation, parfois, là, je parle en tant qu'employeur, de renoncer à des idées qui nous avaient paru bonnes parce qu'elles ne le sont pas. Sur la question de la qualité de vie au travail, sur la question de l'environnement du travail, et que là où on pensait que l'automatisation ou la solution numérique était efficace, si on constate qu'elle ne l'est pas, il faudra surtout ne pas renoncer à l'abandonner parce que notre vecteur, notre visée, c'est quand même la qualité du travail et la qualité de vie au travail. Merci David. Pareil, Carole, pour la CFDT, comment vous envisagez cette étape-là du diagnostic, de l'observation et de l'expérimentation? Pour la CFDT, dans le cadre d'une expérimentation, enfin c'est quand même et la réussite de la conduite du fonctionnement, ce sont les trois mots-clés pour y arriver. Sur le diagnostic, et comme le rappelait David à l'instant, ça permet aux différents acteurs du dialogue social de partager un état des lieux. Et ce qui leur permettra d'avoir, de se donner et de se doter d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs pour construire leur expérimentation. Et là aussi, même si c'est que les partenaires sociaux, enfin donc l'employeur et les organisations syndicales qui vont échanger puisque c'est par le dialogue social, il faudra que ce dialogue social soit nourri là aussi par le dialogue professionnel. Pour qu'il soit aussi concret et vraiment le plus pertinent possible, et d'autant que ça va toucher à des questions d'organisation du travail. Et il faut souligner dans cet accord, c'est une porte qui s'ouvre pour également que tant les représentants du personnel que les salariés puissent agir sur leur organisation du travail. Et parce que c'est quand même qu'une prérogative jusqu'alors de l'employeur. Et ce qui est important de dire justement sur ce sujet-là aussi, dans une période où on est un peu dans un trouble démocratique, dirons-nous, ça permet aussi de rendre de la démocratie, de la participation, au-delà de la démarche, je dirais, inclusive, qui était la conduite de changement, c'est aussi une démarche participative. Et on a besoin à tous les étages d'aération démocratique pour être acteur de notre devenir. Donc, je reviens à mon diagnostic. Donc, une fois le diagnostic fait, bien sûr, l'observation lui aussi permettra, et ça, c'est assez nouveau, je pense, notamment pour nourrir les CPNFP, les commissions paritaires nationales, pardon, des branches sur l'emploi et la formation professionnelle, d'avoir un outil aussi pour manier la prospective qu'elle… Parfois, on a du mal à s'approprier. Et je jette l'opprobre sur personne, hein, sur aucune branche. Mais parfois, ce n'est pas toujours évident de s'approprier. Et d'entrer dans un thème concret, ça pourra permettre aux branches notamment d'avoir une réflexion sur le besoin de formation, le besoin d'emploi à court, long et moyen terme. Et en plus, ça garantit un parcours professionnel aux salariés. Et là, on revient aussi à ça. C'est ça participera aussi à la qualité de vie au travail et la qualité du travail. Et puis l'expérimentation, bien évidemment, hein, c'est la clé de beaucoup de choses. Ça permet de tester, en effet, une nouvelle organisation du travail qui devra, et ça c'est important toujours de le rappeler pour nous, d'être évaluée au regard des objectifs quali et quanti que se seront fixés au moment de sa construction les partenaires sociaux et de la réorienter, bien évidemment, si nécessaire, avant toute généralisation. Donc ce sont vraiment les trois mots-clés pour permettre
pour permettre la réussite d'une conduite du changement sur notamment, enfin, on peut l'appliquer à tout, hein, mais là, en l'occurrence, sur l'impact du numérique. Oui, merci Carole, parce que c'est vrai, l'expérimentation qui est proposée par l'accord, c'est une expression du dialogue social et du dialogue professionnel dans un contexte d'application. Antoine Prost, encore une fois, pour la CFE-CGC, ce contexte d'application, après avoir conduit le diagnostic, observé les effets et expérimenté, la CFE-CGC l'envisage comment ? Alors, on va partir du principe que cette première étape de diagnostic suivi de l'observation et de l'expérimentation, elle a malgré tout été un peu boostée par la pandémie, c'est-à-dire contraint et forcé. Les salariés, les managers et autres ont été confrontés à ces problématiques de changement. Donc, ce vécu, à travers ce qu'on a appelé en général le télétravail ou le travail à domicile, ce vécu doit servir de base et de retour sur expérience dans le cadre des futures négociations de branche sur l'application d'un tel accord. Et je pense que ça devrait être positif, selon mon point de vue, puisque là, on ne sera pas dans l'abstrait. On a été confronté à ces problématiques dans le concret. Et donc, ce sera, je pense, beaucoup plus facile dans le dialogue social d'appréhender toutes ces problématiques. Merci Antoine. Je passe tout de suite à la deuxième étape de l'accord. Étape préalable, la méthode de conduite du changement. Deuxième étape, diagnostiquer, observer, expérimenter. Pardon. Et première étape, diagnostiquer, observer, expérimenter. Deuxième étape, la question de l'accès à la transition numérique. Carole nous a parlé à l'instant de la CPNEFP, les commissions paritaires nationales en formation professionnelle des branches, elles vont se poser la question relative où elles sont déjà en train de le faire, la question de l'accès, de l'impact compétence en définitive de la transition numérique. Là-dessus, il y a une grosse partie de l'accord qui est consacrée hein, dans un triptyque sensibilisation, information, formation. Ça se traduit comment, David, ça, dans l'accord ? Ça concerne qui précisément aussi ? Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Si vous me le permettez, je vais juste lire un bout de l'accord. Comme ça, on saura clairement ce qu'on a défini ensemble. L'accord dit, afin de remplir cet objectif, celui d'accès, et de façon à ce que chacun puisse, à son niveau, s'en saisir, il convient de sensibiliser, informer et former le triptyque dont parlait Serge, à l'usage des outils numériques et à leur impact sur les conditions de travail et de l'emploi. Tu me demandais qui est concerné par ça, on le dit. Et donc, ce sont les dirigeants, les représentants du personnel, les managers et les salariés qu'on a visés par l'ensemble de cette action. De notre point de vue, peut-être une petite remarque sur les dirigeants. C'est les dirigeants de l'ESS, donc les membres du conseil d'administration, les dirigeants bénévoles des bureaux, des associations. Nous sommes dans l'ESS. C'est vrai qu'on y fait un focus particulier sur ce sujet-là parce que il nous a semblé, en tout cas du point de vue de l'UDES, important d'affirmer et de dire qu'un projet de transformation numérique qui a une ampleur sur l'ensemble des facettes du modèle social et entrepreneurial devait impliquer pleinement les dirigeants. Et que ça ne soit pas simplement… grosso modo, pour réussir le truc… Pour réussir un projet comme celui-ci, il faut que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Un dirigeant associatif qui voit son association et les pratiques de son association se transformer sous l'effet du numérique, il est nécessaire qu'il en ait la compréhension, certes, l'acceptation aussi sans aucun doute, mais aussi qu'il participe totalement à l'impulsion de la conduite du changement. C'est pour ça qu'au même titre, c'est une particularité de l'accord. Au même titre que les salariés, les représentants du personnel et les managers, il nous a semblé important que les dirigeants puissent aussi bénéficier de cette montée en compétence sur les questions de la transition numérique. Parce que malgré tout, ils sont aussi détenteurs de la stratégie d'entreprise et que pour remplir le rôle qui est le rôle stratégique et politique et entraîner finalement l'ensemble de la communauté
de l'association quand il s'agit d'une association, d'entreprise quand il s'agit d'une entreprise commerciale, il est nécessaire qu'il soit aussi impliqué dans ces actions de sens. Enfin, bref, construire une culture commune, c'est absolument important. Et dans la construction de la culture et de la compréhension commune, on doit bien évidemment inclure les dirigeants. Et alors, peut-être juste souligner que ça s'est traduit aussi dans le cadre de l'EDEC, cette question sensibiliser, informer, former, puisque dans le cadre de l'EDEC, il y a eu cette question du repérage des compétences qu'il était nécessaire, enfin, comprendre en quoi les métiers étaient impactés par la transformation numérique et en quoi ces impacts sur les métiers allaient appeler à de nouvelles compétences qu'il s'agissait d'identifier. Donc, il y a un référentiel de compétences spécifique sur les questions du numérique qui a été fait dans le cadre de l'EDEC, qui est un travail important qui permet aussi aux employeurs, d'une part, mais par ailleurs aux salariés, de se saisir d'éventuels parcours de formation qui vont les amener pour mobiliser l'ensemble des compétences qui sont nécessaires au regard des transitions numériques qui sont à l'œuvre en fonction des secteurs. Donc, en fait, ça appelle à la montée générale et globale des compétences de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Oui, merci David, parce que je vais me tourner vers Antoine, parce que les managers, ils occupent une place importante dans cette sensibilisation, information et formation. Bon, permettra à tous l'article 2 de l'accord d'accéder à la transition numérique. Les managers auront un rôle important, mais l'ensemble des partenaires auront ce rôle important. L'exemple que nous avons donné, nous, dans ce groupe de travail sur cette maturation dans le dialogue pour pouvoir arriver à un accord, il va falloir que l'ensemble des partenaires sociaux dans chacun de leurs secteurs se l'approprient. C'est un accord qui a prévu des modalités de déclinaison. Ce n'est pas forcément un accord qui a une force juridique, mais directe, mais ça va obliger les négociateurs à élaborer des outils d'aide à l'application. Donc, il va falloir que l'ensemble des partenaires s'approprient et définissent eux-mêmes leurs outils en toute transparence, sans omettre quoi que ce soit, comme on l'a rappelé au cours de cet entretien. Tout doit être abordé, rien ne doit être oublié, sans tabou, sans chercher à dissimuler quoi que ce soit. Il faut que dans la transparence la plus totale, on puisse appliquer cet accord qui a été mûrement réfléchi. Il y a tout dans cet accord. Il n'y a plus qu'à l'appliquer, tout bêtement, se l'approprier et l'appliquer. Il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. Il y a des gens compétents comme nous qui avons travaillé sur cet accord. On aura donné un bel accord. Maintenant, voilà, faut que nos collègues des deux côtés de la table, dans les différents secteurs, se l'approprient et le mettent en musique. Mais voilà, c'est le souhait que je forme. Merci. On y participera. Parce que c'est un des objets de ce webinaire, la façon de parler, comme je reprends votre expression, la mise en musique de l'accord. Mais effectivement, là, c'est hyper important, la mise en musique pour la sensibilisation, l'information et la formation. David m'a parlé des dirigeants. Vous, je vous ai orienté, évidemment, vous êtes la CFE-CGC, donc je vous ai orienté vers les managers. Ce n'est pas pour dire que la CFDT ne s'intéresse pas aux managers non plus. Là, je me tourne vers Carole pour avoir son point de vue aussi et ce qu'elle entend de l'accord à ce sujet pour la CFDT. Oui, oui, parce que je pense qu'on n'a pas à faire nos preuves sur l'organisation des salariés sur de l'encadrement sur le sujet. Pour autant, pour recentrer mon propos, il y a en effet, l'une des clés, elle doit être sur l'accès à la transition numérique. Ce sont les trois axes essentiels, et notamment l'une des portes d'entrée est celle de la formation et la sensibilisation aussi, parce que tous les métiers ne sont pas aujourd'hui impactés de la même manière sur le par
par la transition numérique. Et c'est important aussi de sensibiliser l'intégralité des salariés, puisqu'ils n'ont pas, en tout cas, on espère, et s'ils le souhaitent, avoir un parcours professionnel. Et peut-être que demain, le métier pour lequel ils postuleront, ils auront besoin d'avoir une sensibilisation préalable pour comprendre les changements qui vont être engendrés. Et là, on partage complètement l'objectif commun qu'a rappelé à deux reprises David Cluzot, qui est de ne laisser personne au bord du chemin. Parce que le problème de ce genre de transition, ça peut être aussi de laisser certaines personnes, notamment, alors on a plus parlé au travers de l'enquête de l'ANACT, c'était les utilisateurs des services publics des missions locales, on parlait plus des jeunes, mais il y a aussi dans le salariat de l'ESS des personnes qui sont frappées d'électronisme, comme on dit si bien maintenant. Et c'est pour ça que ce qui était intéressant, alors ça a été fait concomitamment, mais ce n'était pas forcément une volonté, c'est bien tombé, on va dire, c'était en effet la mise en place de l'EDEC dans le champ de l'ESS et avec les créations d'outils qu'on a mis parallèlement en place sur ce, justement ces sujets-là. Et je pense notamment à la promotion du client numérique, qui est quand même quelque chose de particulier à mettre en avant et justement une des clés pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Mais nous, on a réussi, et on voit que l'UDES commence à évoluer sur le sujet de la formation commune, puisque nous, on a beaucoup insisté sur la formation commune, comme on l'avait fait précédemment au travers du handicap, de l'accord handicap pour les salariés en situation de handicap, de la mise en place de formation commune. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on veut absolument être avec les patrons, hein, on sait où est notre place, il n'y a pas de souci, mais c'est que c'est aussi un outil qui permet, quand on a des nouveaux thèmes de négociation, quand il y a des nouvelles un peu spécificités, parce que si l'accord, en effet, on peut être mis en musique rapidement, il y aura tout de même des adaptations aux réalités des différentes branches de l'ESS et des entreprises. Il est important que les termes, les notions, et aussi l'encadré de l'accord, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui ne permet pas, on ait le même vocabulaire et ça permet d'avancer plus rapidement sur le sujet. Donc, nous, ce qu'on conseillerait aux personnes qui sont derrière leurs écrans, c'est vraiment, si vous êtes amené à négocier ces sujets-là, et autres d'ailleurs, c'est vraiment de mettre des formations communes pour créer ce background commun entre négociateurs. Je trouve que c'est important et plutôt pertinent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'accès à la transition numérique. Merci beaucoup. Alors, on a passé beaucoup de temps sur l'étape, le temps préalable de l'accord, le diagnostic, l'observation, l'expérimentation, l'accès à la transition numérique, c'est très important. Là, on en arrive au troisième temps de l'accord, l'article 3 de l'accord. La régulation des outils numériques, parce que Yann-Gaël Fourquier de l'ANAC nous l'a redit, Carole vous l'avait redit aussi, Antoine, tout le monde en a parlé, les outils numériques, en grande partie, ils permettent de s'affranchir du temps et du lieu. Donc, dans le cadre de l'accord, ont été rappelés l'ensemble des règles. Et on a appuyé tout un tas de choses. Alors, moi, ce que je voulais poser comme question, pour éclairer justement l'ensemble des personnes qui nous écoutent, c'est quels sont les points sur lesquels une régulation était possible, envisageable ou souhaitable, et qu'est-ce qui est prévu pour parer ou prévenir un certain risque professionnel dans le cadre du texte. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, parce que ce quatrième temps de l'accord, il est très costaud, il est très long, et je dois le dire, puisque c'est aussi mon rôle de timekeeper, nous sommes relativement en retard. Néanmoins, nous allons essayer tout dire et bien dire. Je cède tout de suite la parole à David. Comment ça se traduit ? Je me doutais qu'à un moment, tu allais finir par me frustrer. C'est mon rôle. Ouais. Écoute, tu as raison. Je vais essayer d'aller assez vite, en tout cas, dans mon approche, mais clairement, la question du numérique, de son développement, de son introduction dans l'entreprise, c'est aussi l'apparition d'un certain nombre de dangers ou de risques qu'il faut savoir limiter. Quand on a négocié, on a essayé de veiller à un certain nombre de choses et de mettre des garde-fous, au moins quelques vigies auxquelles il est important de se référer. La première des choses, et ça c'est le télétravail qui nous l'a appris notamment de manière très très forte, mais pas que, hein, c'est la question du respect de la,
de la vie personnelle. Et puis finalement, parce que c'est extrêmement lié, la question du droit à la déconnexion. Donc on a mis un certain nombre de points dans l'accord pour essayer quelques limites qui sont tout à fait essentielles, comme ne pas utiliser d'équipement ou d'outils numériques personnels à titre professionnel, séparer bien les deux sphères, mettre en place aussi des chartes définissant clairement les règles d'utilisation des outils numériques professionnels et personnels, travailler sur la question du droit à la déconnexion. La question du droit à la déconnexion, c'est lié à la mesure de la charge de travail du salarié, mais c'est aussi la question derrière, la régulation de la charge du travail. Éviter de tomber dans ce syndrome que pour être bien vu, il faut être tout le temps connecté, ça serait complètement idiot. Il faut aussi travailler sur un type de culture à ce niveau-là et vraiment favoriser, établir des règles, des limites claires sur la question du droit à la déconnexion. Alors, quand on parle de numérique, et on ne l'a pas évité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, vous reviendrez dans l'accord, c'est aussi la question du RGPD, du respect des données personnelles, des données d'entreprise, mais aussi évidemment de celles du salarié. Par ailleurs, il y a un truc qu'on ne voit pas tout de suite, peut-être, quand on parle du numérique, c'est lorsqu'on utilise des outils numériques, c'est la capacité de contrôle par les outils numériques. Ce qui pose aussi une question, l'intrusion dans la vie professionnelle, une forme de droit de regard ou un risque de big brother de l'employeur sur ce que peuvent faire les salariés. Il s'agit de le limiter, surtout avec le développement de l'intelligence artificielle, d'un certain nombre d'algorithmes de management. Donc, ça permet de contrôler, mais à l'inverse aussi, ça peut avoir des effets qui sont intéressants, puisque la capacité de pouvoir mesurer des choses par l'utilisation des outils numériques, c'est aussi prévenir des risques professionnels, c'est aussi pouvoir travailler sur la limite de la charge de travail, mais il faut l'utiliser de cette manière-là. Alors, on est au début de l'apprentissage de l'utilisation des outils numériques pour éviter que ça dérape, etc., mais il nous a semblé qu'il fallait prévenir d'entrer ce type de dérive ou de problématique que pourraient rencontrer à la fois les employeurs, mais bien évidemment aussi les salariés. C'est très détaillé, je ne vais pas rentrer dans le détail. Deux choses aussi pour finir, importantes, deux thèmes qui ont évidemment été challengés par la crise sanitaire, c'est le télétravail et la question des dialogues sociaux à l'aune du numérique. Alors, on a essayé de mettre des principes, c'est à la fois dans l'accord, mais bien évidemment dans la charte qui est annexée, le modèle qui est annexé à l'accord. C'est la question obligatoirement du double volontariat pour ce qui concerne le télétravail, que le dialogue social doit trouver toute sa place pour que le télétravail soit mis en œuvre au sein d'une entreprise. Il ne faut pas laisser les télétravailleurs seuls, il faut organiser un suivi un petit peu spécifique pour éviter la perte de liens, pour éviter, j'en ai déjà parlé, des surcharges de travail ou au contraire la sous-charge de travail, pour éviter aussi les questions d'isolement. Enfin, voilà, tout un tas de sujets qu'on a voulu aborder, qu'on a essayé à la fois de calibrer et à la fois d'encadrer pour protéger, mais aussi pour que l'utilisation des outils numériques soit possible au bénéfice du projet des associations comme de la qualité du travail des salariés. Et juste pour souligner, parce que je ne sais pas, vu qu'on est en retard, on n'aura peut-être pas complètement droit à la parole encore à suite, parce que tu es un maître du temps sévère, mais c'est un accord, je trouve, la crise nous a aidé à faire un plus bel accord que celui qu'on pouvait ambitionner à l'origine. On parle souvent que c'était un accélérateur, la crise, dans la transition numérique. Je pense que ça a été aussi pour nous, en tant que partenaires sociaux, et au titre de l'IDES, je m'en félicite, un accélérateur de nos réflexions, et on a peut-être été plus loin que nous l'avions imaginé au départ. Là, il faut le prendre en compte. Maintenant, il va nous revenir de le faire vivre. On rappelle l'accord multiprofessionnel. Les branches doivent s'en emparer. Et les entreprises doivent s'en emparer, enfin, à partir des branches, les entreprises devront s'en emparer, même si on y reviendra après, il y a des outils qui sont directement mobilisables par les entreprises de l'ESS.
Merci David. Effectivement, je confirme, nous finirons après 16 heures, après l'horaire prévu. Voilà, c'est comme tel, c'est les aléas du direct, comme on dit dans les émissions télévisées. Que dire, je vais passer la parole à la CFDT, parce que David a dit beaucoup de choses, a rappelé beaucoup de choses. Je pense que Carole va rebondir sur plein de sujets évoqués. Non, Carole, à vous tout de suite. Non, juste sur le dernier point et sur le fait qu'en effet, la crise sanitaire nous a... fait transformer notre accord. On partage totalement ce que vient de dire David Clouzot sur la chose. En effet, on n'aurait jamais pensé aller aussi loin sur le sujet, notamment sur le télétravail, ce que je disais en préambule. Juste, pour nous, cette partie, les pratiques et la régulation de l'usage des outils numériques, elle est aussi excessivement importante à mettre en œuvre, parce que je dirais que c'est la partie de l'accord ou de l'accord qu'il faudra mettre en place dans les accords de branche ou dans les accords d'entreprise de manière effective. C'est-à-dire que, David vient de parler de la RGPD, si en effet sur les questions de protection des données, un certain nombre de choses, c'est cadré légalement, on sait, là aussi, à l'aune des personnes qui ont pu télétravailler durant les différents confinements, que le droit à la déconnexion, c'est un mixte de choses. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est à la fois à l'employeur en tant que responsable, pour faire respecter ses obligations de santé, ses obligations en matière de santé au travail, ce n'est pas forcément évident et on le concède. Il peut avoir fait la plus belle charte de droit à la déconnexion. Si elle n'est pas appliquée par le salarié, ça ne marchera pas. Pour autant, ça ne le dédouane pas. Hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est aussi comment on forme les salariés aussi au télétravail. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire, on a fait inscrire tant dans la partie de l'accord qui est sur le télétravail que le modèle d'accord ou de charte qui est annexé. La formation, pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne devient pas télétravailleur du jour au lendemain. Ce n'est pas inné. Et donc, c'est important de le faire. Et c'est aussi comment on permet aux managers, je reviens à eux une dernière fois, sur comment eux aussi, ils appréhendent une modification de leur pratique professionnelle, une modification de l'organisation de travail, pardon, par rapport à avoir des salariés dispatchés dans un espace différent. Et donc, comment ils arrivent à manager à distance en ayant tous les outils possibles à faire, mais tout en maintenant, et là, on se rend compte, même si on voit que les gens reviennent petit à petit au travail, mais comment ça a été de recréer du collectif après ces périodes contraintes. Donc, c'est au travers du télétravail, qui, lui, n'est pas obligatoirement contraint, de maintenir ce collectif. Et là, il y a de la formation aussi qui est nécessaire, tant pour les salariés que pour les managers. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur ce sujet. Merci, Carole, d'avoir été rapide. Aussi rapidement, et je crois qu'une perche vous a été lancée, Antoine, la CFE-CGC sur la régulation. La régulation et puis les managers comme acteurs de celle-ci, quelque part. Je vais faire très court parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qui vient d'être dit. Nous avons largement eu le temps dans la négociation de cet accord de pouvoir s'exprimer. Chaque organisation syndicale y a mis sa propre sensibilité. Et tout ce cheminement nous a conduit à un accord qualitatif, complet, intelligible dans sa rédaction, dont chaque acteur en comprend les objectifs. Donc, le cadre de réflexion et les dispositions mises à sa disposition. Donc, pour conclure, je dirais qu'il n'y a plus qu'à. Merci Antoine. Vous avez souligné ce que je voulais souligner aussi à la fin, c'est-à-dire que dire que l'accord, il est global et très complet. Tout le sujet du numérique est dedans, du début à la fin et le recommencement. C'est le même schéma que l'accord européen, me dirait Sébastien Darigrand. D'ailleurs, il aurait raison. Voilà. Aussi, vous dire, effectivement, l'accord, il est téléchargeable sur le site internet de l'UDES. Dans cet accord, ça a été dit par les trois, il y a un modèle d'accord ou à défaut de charte pour la mise en place cadrée, facilitée, sécurisée du télétravail
qui anticipe même des dispositions qu'on a trouvées dans des projets de loi s'agissant des femmes enceintes. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'accord, à vous imprégner tout de suite de cet outil. C'est l'annexe 2 de l'accord précisément. C'est dispo tout de suite sur le site internet de l'UNES. Je vais passer à la séquence 3 pour laisser le temps à Madame Bobok, que je sens très attentive, pas tout de suite, pour conclure depuis le début de nos échanges, à la séquence 3. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que tous les intervenants sont parfaitement clairs. Donc voilà, je vais céder la parole à David Cluzot et à Étienne Leblond. Étienne Leblond, que je vous présente, qui travaille au pôle relations sociales de l'UNES et qui est conseiller technique travail et santé. Pour dire quoi ? Parce que certes, il y a cet outil directement utilisable et préhensible par les entreprises. Quel annexe de l'accord ? Quel modèle ? Le modèle d'accord ou à défaut de charte pour mettre en place le travail. Mais l'UNES, après chaque négociation multiprofessionnelle, et notamment celle-là, elle produit un guide pour que… Antoine l'a parlé, on a parlé, il faut que ce soit déployé, il faut que ce soit utilisé, Carole aussi, tout le monde, au moins pour que les employeurs puissent se saisir directement des dispositions de l'accord. Donc voilà, je cède tout de suite la parole à David. Merci Serge, je vais aller très vite, juste en profiter pour souligner dans ce travail sur le guide, mais plus globalement, l'investissement remarquable des équipes de l'UDES et sur le guide, tout à fait particulièrement, Serge, toi évidemment, mais Étienne aussi, qui a piloté ça de manière à la fois étroite et surtout dans une recherche d'efficacité et d'opérationnalité. Donc, il va nous présenter très bien le guide, et là, j'en profite pour le remercier. Donc, c'est une tradition à l'UDES, quand on crée et qu'on génère, qu'on arrive à signer des accords importants. Derrière, on met tout de suite en place un guide d'application avec une part qui peut être destinée aux branches, c'est le cas de celui-ci, mais pour l'essentiel qui est destiné aux entreprises que nous représentons et qui peuvent s'en saisir tout à fait directement pour répondre vite, concrètement, à toutes les problématiques et en l'occurrence celles du numérique qui se présentent à elles dans le cadre des relations sociales et de l'articulation des relations de travail et emploi avec la conduite d'un projet qui vise à faire monter en puissance le numérique dans les pratiques professionnelles. Comment on fait pour installer un nouveau logiciel, comment on repère les risques, comment on travaille sur l'adaptation des compétences, tous ces sujets qui sont brossés par les 14 fiches, 14, je ne me trompe pas, mais Étienne, tu vas nous dire, les 14 fiches du guide. Et Étienne, je te laisse la parole pour le présenter rapidement. Vas-y, Étienne. Moins rapidement. Mais voilà. Dis-nous ce qu'on trouve Merci. Dans le guide, en quoi il est utilisable par les entreprises. Si tu veux, en primeur, affiché, tu me prends la main. Vas-y donc. Merci Serge, merci David. Alors effectivement, je vais faire un petit partage d'écran. Voilà, si vous le voyez, pour vous donner un aperçu effectivement du guide, hein, qui effectivement, comme le disait David, qui comprend 14 fiches. Je vais aller directement au sommaire. Et donc, ces 14 fiches, elles apportent des pistes concrètes, opérationnelles aux employeurs de l'ESS en vue de réussir leur transformation numérique. Et donc, je vais vous présenter seulement un peu plus en détail les 4 premières fiches qui sont intéressantes parce qu'on va dire qu'elles constituent elles apportent des prérequis pour introduire les fiches suivantes. Le temps ne me permet pas d'introduire, de présenter en détail les 14 fiches, ce serait un peu trop long. Mais voilà, vous allez voir en quoi chaque fiche, on peut faire le lien entre chaque fiche. Donc, s'agissant par exemple de la première fiche, elle permet de se mettre au clair avec les mots qui sont liés au numérique. De quoi parlons-nous lorsqu'on évoque les technologies, les transformations numériques ? Les facteurs de risque liés à ces transformations ou la conduite du changement, ainsi que le dialogue social, le dialogue professionnel qui a été longuement évoqué lors du temps précédent. De même, elle présente les enjeux de ces transformations pour l'ESS et notamment à l'échelle des structures. Et cette fiche propose des ressources en ligne pour faire avancer son projet de transformation numérique. Donc voilà de quoi s'agit cette première fiche. La deuxième fiche, elle est plus particulièrement dédiée
Alors, attendez, hop, voilà, deuxième fiche. Elle est particulièrement dédiée aux acteurs des branches professionnelles de l'ESS. Il s'agit de savoir comment les branches peuvent accompagner les entreprises dans leur transition numérique. Et donc, pour ce faire, cette fiche propose notamment six domaines d'action de branches qui leur permettent d'accompagner et d'outiller les entreprises et les structures de l'ESS. Et outre les branches, maintenant au niveau des structures, comment agir à l'échelle des structures? Et donc pour cela, on passe à la fiche 3 qui propose de favoriser le dialogue social, la négociation collective, mais également, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, le dialogue professionnel pour la conduite du changement. Ce qui nous amène directement à la fiche 4, là qui est particulièrement intéressante, comment conduire le changement en mode inclusif. Et donc là, il s'agit de pouvoir mobiliser les acteurs concernés en intégrant toutes les parties prenantes dans les espaces de dialogue professionnel, en s'appuyant sur l'expérimentation. Et deuxième partie de cette fiche, quels sont les points clés d'une conduite de projet expérimental en mode inclusif. Et donc là, ces points clés sont détaillés dans l'ensemble des fiches suivantes, donc des fiches 5 à 14, et qui sont regroupées, vous le voyez, en trois parties distinctes. La première partie, il s'agit de co-construire au sein des espaces de dialogue, et donc qui contiennent les fiches 5 à 7, du diagnostic partagé, définir ensemble les besoins, comment mobiliser l'ensemble des utilisateurs, identifier les impacts et les risques de façon à les anticiper et à les réduire. Donc ça, il s'agit de la première partie. Deuxième partie, accompagner la montée en compétences de tous les acteurs. Donc là, c'est l'objet des fiches 8 et 9. Informer, accompagner, former l'ensemble des acteurs. Donc l'ensemble des acteurs, il s'agit des salariés, des représentants du personnel, des managers et des dirigeants, entre autres. Et s'agissant de la fiche 9, comment prendre en compte les fragilités, comment lutter contre la fracture numérique, voilà, de quels moyens dispose l'employeur pour remédier à ces fragilités et pour les repérer et pour y remédier, ces fragilités. Et ensuite, nous arrivons à la troisième partie, l'encadrement, la régulation des usages et de la pratique des outils numériques. Donc ça fait l'objet des fiches 10 à 14. La fiche 10, elle va introduire les points essentiels à encadrer, qui sont détaillés dans les fiches suivantes, les fiches 11 à fiche 14, qui concernent la nécessaire conciliation de vie professionnelle et vie personnelle, notamment les enjeux liés au droit à la déconnexion. Fiche 12, les enjeux relatifs à la protection des données personnelles. Et les fiches 13, comment, de quelle manière l'employeur peut-il encadrer le contrôle de l'activité des salariés? Quelles sont les règles à respecter, les limites auxquelles il doit se soumettre? Et la fiche 14, les modalités d'encadrement du télétravail. Et donc là, cette fiche 14 fait le lien, comme l'a indiqué notamment Serge, le lien avec l'annexe 2 de l'accord, l'annexe de modèle indicatif de cadre collectif relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les entreprises de l'ESS. Donc voilà comment se décompose le guide. Donc n'hésitez pas, dès que vous le pourrez, à le consulter. Alors, Étienne, merci beaucoup. Je vais réafficher le guide là, tout de suite, la page de couverture. Pourquoi? Parce que on est en retard. On avait dit que le guide serait téléchargeable sur le site internet de l'UDES à la fin du webinaire. Eh ben, le lien de téléchargement va être envoyé à tous les participants maintenant dans le chat. Donc, vous pouvez aller le télécharger absolument tout de suite. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Étienne. Sans plus attendre, pour conclure ce webinaire, je vais céder la parole à notre témoin, à Madame Bobok, qui va nous donner son point de vue, nous révéler peut-être des points d'attention qu'on n'aurait pas vus ou encore des points de vigilance. Madame Bobok, sans plus tarder, je vous cède la parole et vous me dites ce que vous voulez que j'affiche. Voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour ce moment de synthèse et comme vous le dites, ce moment de prise de recul qui me permet aussi d'attirer peut-être votre attention sur quelques points qui me semblent importants et qui peuvent alimenter bien sûr la mise en place de cet accord qui est très riche, de la même façon que vos échanges d'aujourd'hui étaient très riches. Donc, un premier point pour moi, attention, donc, il n'y a pas de déterminisme technologique. On parle beaucoup des impacts du numérique sur le travail, mais ces impacts peuvent être aussi bien négatifs que positifs. Tout dépend de ce que nous faisons faire à ces outils. Donc, attention, vigilance accrue par rapport à la reconfiguration des activités et des liens sociaux autour de ces outils numériques. Quand je dis les outils sont ce que nous leur faisons faire, bien sûr, il y a différentes catégories d'acteurs. On a les promoteurs des outils numériques qui vont faire porter aux outils des visées organisationnelles, la flexibilité, la transversalité, le gain de temps, et de l'autre côté, des salariés qui vont essayer de s'approprier ces outils par rapport à leur activité. Donc, un premier point, le numérique, c'est bien ce que nous lui faisons faire et donc ayant en tête cette reconfiguration des liens sociaux et des activités en permanence autour des outils numériques. Un deuxième point, on parle des outils numériques, mais on a quand même trois catégories d'outils numériques porteurs de logiques différentes. On a les outils de gestion et donc la rationalisation, la centralisation qui vont de pair avec ces outils de gestion qui visent à changer l'organisation du travail. Donc voilà, on se retrouve souvent dans ces cas-là, où, vous l'avez dit, avec des outils qui nous sont imposés. Ensuite, on a les outils de communication comme le mail qui sont pour le coup peu prescriptifs en la matière et des outils collaboratifs qui sont plus ambivalents, à la fois porteurs d'une logique organisationnelle en favorisant notamment la transversalité, sans pour autant proposer des modes d'organisation du travail. Donc, et cet empilement d'outils porteurs de logiques différentes engendre des tensions. Donc voilà, deuxième point de vigilance, on dit outils numériques, mais on a des catégories d'outils différentes qui sont plus ou moins prescriptives avec des logiques porteurs de logiques différentes et avec des appropriations différentes. Voilà, et j'arrive à l'autre point, celui de l'appropriation des outils. En fait, dans l'appropriation des outils, ce qui joue sont non seulement les facteurs individuels, le fait que voilà, nous sommes plus ou moins à l'aise avec des outils en fonction des parcours que nous avons eus, aussi bien professionnels, personnels, qui nous ont permis de construire cette aisance avec les différents outils, mais cette appropriation dépend aussi des facteurs organisationnels et collectifs. Facteur organisationnel, ben, typiquement l'accord que vous avez signé rentre dans ce cadre, celui des cadres qui sont posés pour les usages des outils. Mais entre ce que nous pouvons faire individuellement avec ces outils et entre ce que les cadres donnent en termes d'usage, on a quand même des facteurs collectifs qui sont très importants dans l'appropriation des outils. D'où cette attention au permanent ajustement local, mais vraiment, Antoine Prost en parlait aussi, l'histoire des outils que l'on s'approprie dans des contextes, et j'insiste, dans des contextes très, très locaux. Donc, un ajustement entre numérique et activité, qui bien sûr va dépendre des outils, donc de la capacité de personnalisation de ces outils, mais aussi de la capacité des acteurs à personnaliser ces outils et à organiser leur activité individuellement et collectivement. Collectivement, donc aussi se mettre d'accord collectivement sur ce que l'on fait ou pas avec tel ou tel outil, quelle est la valeur ajoutée de tel outil pour nous, pour dans un contexte donné, pour une activité donnée, quelle valeur ajoutée, quel sens on peut donner, comment on peut construire des usages avec ces outils, qui est de l'intérêt pour nous dans le cadre de notre travail. Donc, dans l'accompagnement des outils, vous l'avez bien pointé, bien sûr qu'il y a une première phase qui est celle de sensibilisation à l'intérêt de ces outils, il y a une deuxième phase qui est celle de la formation, de la familiarisation avec ces outils, on apprend
à les utiliser, on apprend les fonctionnalités, mais ce n'est pas parce qu'on apprend et on maîtrise les fonctionnalités des outils, ce n'est pas pour autant qu'on va derrière développer des usages dans l'activité de tous les jours. Pour développer ces usages, ce qui est important, ce sont ces facteurs collectifs où on se met d'accord sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire par rapport à notre métier, à ce qu'on pense de notre métier, des besoins que nous en avons. Et donc, cette co-construction des usages est très importante. Elle est d'autant plus importante, non seulement parce qu'elle se fait dans des contextes très locaux, mais aussi parce qu'elle évolue tout le temps. En fait, on a des équipes de travail qui peuvent être éphémères. C'est un petit collectif de travail qui s'est réuni sur 2-3 jours sur telle ou telle mission. Voilà, à chaque fois, il est important de s'organiser sur la manière de mobiliser les outils, de vraiment les ajuster avec ce qu'ils peuvent apporter par rapport à une activité donnée. Et c'est cet ajustement qui est très, très dynamique, très local, qui est important et dont dépend la qualité de la vie au travail avec le numérique, pour le dire ainsi. Et, et dans ces ajustements très, très locaux, bien sûr, le rôle l'importance des régulations managériales, vous en avez parlé. Bien sûr, si je prends le cas du télétravail, avec le télétravail en confinement, on a vu à quel point c'était important de reconstruire des activités collectivement pour que tout le monde puisse travailler à distance. Mais il y a aussi d'autres enjeux pour les managers qui sont plus classiques par rapport au télétravail. Bien sûr, le fait de communiquer, de s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information par rapport à ceux qui sont à distance, de la cohésion de l'équipe. Faire attention justement au gérer les tensions qu'il peut y avoir. Carole en parlait aussi. Ça donne pour avoir aussi envie de venir sur le travail, d'être en présentiel, il est important aussi que toutes ces gestions des détentions entre des télétravailleurs, non télétravailleurs, entre des membres d'une équipe soient faites, et de même la reconnaissance, notamment la reconnaissance des personnes qui peut-être sont davantage à distance. Si voilà, je vois que je suis utile pour mon travail, j'ai aussi envie d'être en présentiel sur le lieu de travail. Donc ça, c'était donner quelques exemples de régulation managériale pour le télétravail, et on a tout à fait la même chose pour la déconnexion, pour cette gestion des pratiques continues. Comme je disais, bien sûr que nous ne sommes pas égaux face à cette, pour résister à ces pratiques, à cette connexion continue. Il y a des facteurs individuels, une fois de plus, qui nous déterminent, aussi bien dans nos sphères privées que professionnelles, avoir des enfants en bas âge, avoir peut-être des personnes ressources qui nous aident à gérer en fonction de la CSP, de l'autonomie que l'on a dans le travail. Donc, plein de facteurs qui vont jouer sur notre capacité à résister à cette connexion continue. On a de l'autre côté, à l'opposé, des facteurs législatifs. Je ne rentre pas dans les détails avec le code du travail, avec la loi El Khomri. Au niveau de l'organisation, tout ce qui est mis en place, des accords, des chartes, des mesures de sensibilisation, mais qui peuvent être vraiment très, très variées. En passant par les démarches d'exemplarité managériale, voilà, éviter d'envoyer des mails à chaque fois, aussi essayer de voir les personnes, d'appeler, limiter les mails après 18 heures. Donc voilà, des démarches d'exemplarité managériale. Ensuite, on a connu les journées sans PC, on a vu des tentatives, des modules de déconnexion, des coupures de serveurs pendant le week-end, les signatures en bas de mail, si vous recevez mon mail après 18 heures, sachez que voilà, il n'appelle pas une réponse immédiate, mais pour celui qui reçoit ce message est forcément en lien avec une importance qu'il accorde à la personne, à l'information dans un contexte donné, qui va faire qu'il se sent peut-être, il sent que c'est peut-être que c'est important, mais voire obligé de répondre, alors que ce n'était pas du tout l'intention de l'émetteur. Donc, pour dire qu'indépendamment de ce qu'individuellement on peut faire, de ce qui est mise en place au niveau législatif, de toutes ces actions de sensibilisation au niveau plus organisationnel qui ne conduisent pas forcément à des changements de routine, il nous reste encore un niveau
le niveau des collectifs de travail, où des managers peuvent faire aussi à nouveau attention à la concurrence qu'il peut y avoir entre des personnes à un moment donné, à des enjeux ponctuels qu'ont les personnes et qui font qu'elles vont être davantage dans cette pratique de connexion continue. L'importance aussi de construire peut-être des règles collectivement. Mais nous, juristes, à ce type de dossier, on ne va pas répondre à moins d'une semaine. Arrêtez de nous envoyer des mails. Voilà, donc toutes ces actions qui peuvent être construites localement par des managers, mais vraiment localement au niveau des équipes, ont aussi ensuite des répercussions sur la confiance, la solidarité qui peut s'installer au sein des équipes. Donc, disons, pour conclure, bien sûr, l'importance de tous ces espaces de discussion que les managers peuvent mettre en place localement. Et attention à cette posture des managers comme accompagnateurs, mais au plus près de la réalité du travail. Premier point. Ensuite, des espaces de discussion aussi peut-être en transverse, parce qu'on a d'autres acteurs qui peuvent aider les préventeurs, les médecins du travail, qui peuvent aussi mettre en place des espaces plus transverses d'explicitation, de partage de réussite, des échecs par rapport à ces pratiques de connexion continue, par exemple, ou par rapport aux problèmes que les personnes peuvent rencontrer avec le télétravail. Donc, un premier point tourne autour de cette construction des espaces de discussion, mais une fois de plus, très locaux. J'ai bien entendu qu'il y a des espaces de dialogue professionnel qui peuvent alimenter la transformation de ces accords, mais indépendamment de ça, localement, il y a beaucoup de choses qui se jouent, d'où aussi l'importance de sensibiliser, former les managers à ces ajustements locaux permanents entre numérique et activité. Et donc, voilà, veiller, comme je le disais au départ, à cette capacité de personnalisation des outils, des acteurs à personnaliser, la capacité des acteurs à personnaliser ces outils, parce que peut-être les outils sont personnalisables, mais ils n'ont pas forcément la marge de le faire, et à toute cette reconstruction des activités et des liens autour des outils qui se fait, qui se co-construit, et qui se co-construit localement en fonction de l'activité, activité qui forcément bouge de la même manière que la composition des équipes amenées à travailler ensemble. Voilà donc quelques points très rapidement, parce que je sais qu'on a beaucoup dépassé. Mais voilà, quelques points de vigilance et qui, j'espère, pourront alimenter aussi vos réflexions ultérieures. Merci beaucoup, Madame Bobok. Alors, je crois pour ma part qu'on a vu pas mal mon crâne, parce que je notais, au-delà de ce que de nos discussions antérieures, les points de vigilance que vous avez pris. Je pense que collectivement, on les retiendra bien et on s'en inspirera dans le futur. Merci vraiment d'avoir clos ce webinaire. Au nom de l'UDES, je remercie l'ensemble des intervenants extérieurs à l'UDES, Yann Gaël Fourquier, Carole Edouard pour la CFDT, Antoine Prost pour la CFE-CGC, et encore une fois, vous, Madame Bobok. Je remercie également les partenaires de l'UDES qui nous ont soutenus dans l'organisation et la réalisation de ce webinaire. On avait leur logo en bas de toutes les pages de la présentation. Ce sont AG2R La Mondiale et Quorum. Merci également à l'ensemble des participants au webinaire. N'hésitez pas à télécharger l'accord et ses annexes, notamment l'annexe 2. Étienne en a reparlé, le modèle d'accord ou de charte en vue de mettre en place le télétravail. Le guide, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Le replay sera incessamment soutenu disponible. Le lien va vous être envoyé, m'indique-t-on. Voilà. Encore une fois, merci à toutes et à tous et excellente fin de journée.